et Ruby. Ruby et Max. Max et Ruby. Ruby et Max. Max et Ruby. Ruby et son petit frère Max. Achète des vêtements. Deux billets. Merci Ruby. Bonjour Max. Assieds-toi Max. Va près de la fenêtre. Cette salopette est en mauvais état Max. Tu n'as plus rien à te mettre. Alors je t'emmène au magasin pour t'en acheter une toute nouvelle. Liquette avec un dragon. Non, je n'ai que 5 euros pour t'acheter une nouvelle salopette. Après cet achat, je n'aurai plus d'argent du tout. Tu viens, Max? Liquette avec un dragon. On est venu jusqu'ici pour t'acheter une salopette, pas une liquette avec un dragon. Je crois que les vêtements de sport pour les garçons sont de ce côté-là, après les vêtements de filles. Cette robe rouge est parfaitement assortie à mon petit sac. J'ai envie de l'essayer. Cette robe rouge est beaucoup trop grande pour moi. Ils l'ont peut-être dans une autre taille, je vais aller voir. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Oh, ils n'ont plus de robe rouge à ma taille. Mais regarde ce que j'ai trouvé. Oh, c'est très vilain. Ne bouge pas, Max. Je reviens tout de suite. Oh, j'ai de la chance. Regarde, j'ai trouvé cette robe à ma taille. La même que la rouge, mais en vert. Reste devant le rideau. Je l'essaie en vitesse. Liquette avec un dragon. Comment est-ce que tu la trouves, Max? Max? Max! Hé, non, attends, où tu cours comme ça? Liquette avec un dragon. Non, Max, tu ne peux pas avoir une liquette avec un dragon. On est venu pour t'acheter une salopette et après cet achat, je n'aurai plus d'argent du tout. Tu restes devant le rideau et tu ne bouges pas. Je vais retirer cette belle robe et ensuite je remets mes vêtements. D'accord, Max? Oh, j'aime beaucoup cette robe verte, mais elle ne me va pas si bien que ça. Maintenant, nous allons remettre cette robe là où je l'ai trouvée. Et ensuite, nous allons voir les salopettes. Max? Mais où es-tu encore passé, toi? Max! Attends, où tu vas? Max! Oh, oh, la robe. Ici. Oh! De quel côté est-ce qu'il est allé? Liquette avec un dragon. Où est-il passé?
Liquette avec un dragon. Oh, j'étais certaine de l'avoir vu se diriger de ce côté-ci. Il se balade sûrement dans ce rayon-ci, j'en suis certaine. Max ? Ruby ! Max ! Ruby ! Tu es dans le coin, je le sais. Oui, mais où exactement ? Ah, te voilà ! Tu viens ? Nous allons voir les salopettes. Mais qu'est-ce que tu as mis? Liquette avec un dragon. Non, Max, on ne va pas t'acheter une liquette avec un dragon. On est venu pour t'acheter une salopette. Et quand on t'aura acheté la salopette, on n'aura plus d'argent du tout. Maintenant, on va remettre cette liquette dans le rayon. Il faut la remettre à l'endroit exact où tu l'as trouvée. Bonjour, Max. Ça te plairait de goûter nos cornets de glace au chocolat croquant? Je te l'offre. Il y a aussi des noisettes. Tu vas les croquer pendant tout l'après-midi. Ah, le voilà. Très bien, Max. Maintenant, enlève ta liquette. Max? C'est une belle liquette et elle coûte 5 euros. 5 euros? Merci de votre visite dans notre magasin. Avec quoi on va acheter ta salopette maintenant? Plus d'argent du tout. La compétition des lapins. Bravo, Madame Hubinon. C'était extraordinaire. On ne le fera jamais aussi bien. Oh, mais bien sûr que oui. Il vous manque quelques leçons. Et beaucoup d'encouragement. Voilà pourquoi je porte ces deux pompons et ma tenue de monitrice que j'avais à l'école. Êtes-vous prête à faire tourner vos bâtons de majorette? On est prête! On y va, les filles. D'accord? Tournez à gauche. Tournez à droite. Bravo, Ruby! Bravo, Louise! Course! Qui peut le faire, Ruby et Louise le peuvent? Bravo, les filles! Alors, on va essayer le lancer du bâton. Je compte jusqu'à 3, vous lancez le bâton en l'air, vous tournez, l'attrapez et vous continuez à le tourner. Vous croyez vraiment qu'on va réussir à faire ça? Oh, mais bien sûr! 1, 2, 3! Oh, 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 oh. Ne vous en faites pas, les filles. Lancer et attraper le bâton est le geste le plus difficile à apprendre. Vous devez avoir soif après tous ces efforts. Je vais faire de la limonade. Et à mon retour, nous verrons si vous êtes prête à apprendre une autre figure. D'accord.
course. Vous voulez bien veiller sur mon petit bébé, s'il vous plaît? Oui, à tout à l'heure. Tu es prête? Et moi, on s'entraîne à lancer le bâton de majorette. Au lieu de jouer avec ton pilote de course, pourquoi est-ce que tu ne choisis pas un jouet qui ne nous gênera pas? Celui-là, par exemple. Oui, regarde, tu pourras jouer avec ta limace qui crache. Course! Tu as gagné, Max. D'accord, tu peux jouer avec ton pilote de course, mais pas avec cette voiture. Course! S'entraîne à lancer le bâton de majorette. Je ne veux plus voir de voiture, d'accord? Course! Plus tard, Max. Je vais choisir. Oh, tu pourrais jouer avec Pinocchio. Course! Je ne veux plus voir de voiture. Regarde, tu peux le faire danser. Cette fois, c'est toi qui diriges, Louise. Nous tournons à gauche. Nous tournons à droite. Course! Descendre. Comment tu as fait pour l'envoyer sur le toit? Devine. Oh, oui, je vois. Et maintenant, comment est-ce que je vais faire? Dis-moi. Je ne vais pas pouvoir finir la leçon avec Madame Hubinon. On fera chacune à notre tour avec le mien. Non, Louise, ce n'est pas juste pour toi. On doit avoir chacune le sien. Je te regarderai. Bravo, Ruby! Tu l'as bien.
bien attrapé. Comment as-tu appris aussi vite? Oh, j'ai eu un tout petit coup de main de Max et de son avion de course. Le choix de Roger. Tu le vois, Louise? Non, mais j'ai cru l'entendre. Roger passe toujours par ici quand il va aider Monsieur Piazza dans son magasin. Il va s'arrêter pour jouer avec nous, tu crois? Oh, je ne sais pas, Louise, car il a déjà 7 ans et demi. Oui, c'est un grand garçon. Il a un an de plus que nous. Avec toi maintenant. Oui, parce qu'on va jouer avec Roger Piazza. Il ne voudra sûrement pas jouer avec tes voitures de petit lapin. Il est trop grand pour ça. Tu peux jouer tout seul aux petites voitures. J'y pense subitement, Ruby. Oui, quel jeu on va proposer à Roger? Je ne sais pas, Louise. On doit trouver un jeu rigolo. Voiture, vroom, vroom. Est-ce que ça plairait à Roger de jouer aux osselets? Tout le monde aime jouer aux osselets. Oui, c'est aussi mon avis. C'est rigolo. Regarde, tu lances la balle et tu vois combien d'osselets tu as attrapés avant de reprendre la balle. Oh, comme tu joues bien, Ruby. Roger n'aura sûrement pas envie de jouer aux petites voitures avec toi. Roger n'est plus un enfant, voyons. Oui, il aura bientôt 7 ans et demi. Nous allons jouer aux osselets avec Roger. Dis, Ruby, et si Roger ne veut plus jouer aux osselets, qu'est-ce qu'on fait? Oh, tu as raison. On devrait préparer d'autres jeux. On ne sait jamais. Oh oui, c'est aussi mon avis. Mais quoi? J'ai trouvé! Que penses-tu de la marelle? Oh, mais bien sûr! Roger va adorer jouer à la marelle. Voiture! Vroom! Vroom! Roger va aimer les cases de notre marelle? Bien sûr! Regarde toutes les belles couleurs qu'on a mises! On devrait s'entraîner avant l'arrivée de Roger. Comme ça, on serait meilleur que lui. D'accord, Ruby. Comme tu lances bien! Sûrement pas jouer avec tes petites voitures. Roger est trop grand pour ça. Est-ce que Roger n'est pas trop grand pour jouer à la marelle? Je me posais la même question.
Oh, on devrait prévoir un autre jeu, je crois. On ne sait jamais. Ce jeu est la meilleure idée qu'on ait eue. Oui, c'est aussi mon avis. C'est vrai, qui pourra résister à jouer au croquet? Moi, je ne pourrais pas. Oh, Louise, la balle est trop près. Je vais essayer. On dirait que c'est... Roger! Bonjour, Roger! Bonjour, Roger! Tu es en route pour aider ton papa au magasin? Tu as le temps de t'arrêter un moment pour jouer avec nous? Voiture! Vroom, vroom! Nous avons préparé plusieurs jeux. Choisis celui que tu veux. On jouera au jeu que tu voudras. On va bien s'amuser. On peut jouer aux osselets. On peut aussi jouer à la marelle. Alors, on peut jouer au croquet. Personne ne peut résister au jeu du croquet. Max, tu as décidé à quel jeu tu veux jouer, Roger? Oh, aux osselets? À la marelle? Alors, lequel ?